بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين شيخ فخير شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de profiter de cette occasion, de cette belle occasion de spiritualité, une occasion pour nous purifier, une occasion pour nous rapprocher de notre Seigneur, une occasion pour nous faire pardonner nos péchés. Alhamdulillah, Allah nous a fait parvenir le mois de Ramadan, on l'a vécu. Bienheureux ceux qui auront profité et malheureusement pour ceux qui ont laissé cette occasion leur échapper, en tout cas ils auront laissé une occasion de vie leur échapper. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Voilà, toute bonne chose a une fin. Et voilà, le mois de Ramadan est parti. Le mois de Ramadan est parti avec nos œuvres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte et nous maintienne sur la voie. Un petit message à adresser à tout un chacun parmi nous. Ramadan, c'est une école. Ramadan est parti. Le Créateur, le Seigneur de Ramadan reste et demeure. Ramadan est une occasion, c'est une école pour nous permettre de nous relancer dans notre pratique, de nous relancer dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de nous relancer dans le fait de rechercher la miséricorde et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une école qui nous permet de prendre de bonnes habitudes. On a vu l'être humain. Quand il veut, il peut. C'est une preuve que si on veut nous conformer aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible. Parce que pendant ce mois de Ramadan, ce Ramadan nous a prouvé qu'on est capable de jeûner. Non pas de manière continue, parce que jeûner de manière continue est réservé uniquement pour le mois de Ramadan, mais on peut continuer à jeûner. Il y a le jeûne surérogatoire, les lundis et jeudis, les 13, 14 et 15 de chaque mois, le jeûne surérogatoire. Ramadan nous a prouvé qu'on est capable de le faire. Ramadan nous a prouvé qu'on est capable de prier toutes les nuits. Toutes les nuits, et que cela n'affecte pas notre quotidien, cela ne bouleverse pas notre vie de tous les jours. Ramadan nous a prouvé qu'on est bien capable de faire preuve de générosité. Ramadan nous a prouvé toutes ces bonnes habitudes, qu'on est capable d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'observer ses ordres et le fait d'éviter de tomber dans les interdits. On en est capable. Maintenant, Ramadan est parti. La première chose, c'est de demander et d'avoir le souci que nos efforts soient acceptés. Les actes de culte et d'adoration que nous avons faits, que nous avons observés pendant le mois de Ramadan, soient exaucés et soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Car rien n'est acquis. Rien n'est acquis. On n'est pas des gens qui sont infaillibles. Nous avons toujours des insuffisances. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Donc espérons que nos efforts soient acceptés et œuvrons, faisons des invocations pour que ces efforts soient acceptés. Ça c'est le premier message, la première chose. La deuxième chose, c'est de conserver en fait ces bonnes œuvres et de rester sur cette lancée. On a appris, on a de bonnes choses, on a pris de bonnes habitudes pendant ce mois de Ramadan. Notre comportement a été meilleur pendant le mois de Ramadan. Nous avions été exemplaires dans tous les domaines de
des adorations, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans les sadaqas, la zakat, que ce soit au niveau du comportement, notre manière de parler, notre comportement s'est amélioré. L'objectif, c'est de rester sur cette même lancée et de continuer. Et ne pas reprendre ces mauvaises habitudes d'avant Ramadan. Parce que, vous savez, l'un des signes qui nous montre que notre Ramadan et tous les actes d'adoration que nous avons faits pendant le mois de Ramadan sont acceptés, c'est que l'individu continue sur cette lancée et perdure et garde les bonnes habitudes. Non pas jeûner tous les jours de manière continue, mais de garder le jeûne comme étant un bouclier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, As-sawmu junna. Le jeûne est un bouclier qui te préserve du feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de continuer à garder cette bonne habitude, cette grande adoration. C'est de continuer au-delà des prières obligatoires, puisque ça se négocie pas, on n'en parle pas, c'est de réserver une partie de la nuit, même si ce n'est pas tous les jours, à des prières nocturnes, qiyam al-layl. C'est de continuer à faire preuve de générosité, à être là pour ceux qui sont dans la précarité, à être là pour les personnes vulnérables, à être là pour les personnes qui sont dans le besoin et dans la nécessité. C'est de continuer à avoir la bonne parole, c'est de continuer à éviter au maximum de tomber dans les interdits et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ou n'agrée pas. Si on arrive à nous maintenir sur cette voie et en gardant ces bonnes habitudes, c'est un signe qui nous montre que tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a déployés pendant le mois de Ramadan sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas des gens qui construisent, qui donnent tout, qui déploient toutes leurs énergies et leurs efforts pour se donner à fond dans les adorations pendant le mois de Ramadan. Une fois que Ramadan part, eh bien, ces bonnes habitudes partent avec Ramadan, on reprend nos mauvaises habitudes. Ne soyons pas comme cette dame qui est citée dans le Coran, qui passait tout son temps à construire. Elle avait un objectif, elle construit quelque chose et à la fin, quand elle arrive à la fin, elle démolit tout ce qu'elle a construit alors qu'elle a peiné, elle a eu de la peine à arriver à son objectif et tout de suite après elle démolit tout. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Ne soyez pas comme des gens qui déploient, qui font énormément d'efforts pendant le mois de Ramadan, et tout de suite après le mois de Ramadan, on replonge dans nos mauvaises attitudes, dans nos mauvais comportements. S'il y a un seul message et un seul conseil à donner, ce serait de se maintenir sur la voie. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter déjà ce qui a été fait pendant le Ramadan, et surtout de demander à l'istiqama. Le fait de se maintenir sur cette même lancée, sur cette même voie. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis, incha'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et sa bonté, il ne cessera de nous donner des occasions, de nous tendre des occasions qui nous permettront d'aller vers lui et de tendre vers lui, afin qu'il nous fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'il nous pardonne nos péchés, que à l'heure où je vous parle, en termes de péché, que nous soyons comme le jour de notre naissance. Parce qu'en réalité, c'est ça. Si nos œuvres sont acceptées, les œuvres de Ramadan, et que nous avons eu la chance d'avoir les hasanat et la miséricorde de Laylatul Qadr, si Allah les a acceptées, on est pardonné. On est comme le jour de notre naissance. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie, celui qui jeûne, celui qui fait des efforts pendant le mois de Ramadan avec foi et avec espoir d'avoir la récompense et la rétribution, Allah lui pardonne tous ses péchés, sans aucune exception, tous ses péchés. Et je pense que vous avez fait les efforts qu'il faut pour y arriver,
maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte, ne nous arrêtons pas à demander qu'Allah nous l'accepte. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Car si on a le qaboul, si Allah nous l'accepte, on aura gagné, on aura profité de l'occasion de la vie. On ne sait pas si elle va se renouveler l'année prochaine, si on sera là pour vivre encore un autre Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades, qu'il fasse miséricorde à nos défunts. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته